décret D2021-0139-PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Vu le décret D2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Monsieur Abdoulaye Touré, précédemment conseiller du ministre du Plan et du Développement économique, chargé de la planification et cadrage macroéconomique, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D2021-0140-PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Yansané, précédemment conseiller principal du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret de 2021-0141-PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Docteur Youssouf Boundou Silla, précédemment consultant international en environnement au FIDA, est nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D2021-0142-PRG-CNRD portant nomination des hauts cadres de la primature. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur de cabinet, M. Saïkou Amadou Diallo, précédemment directeur projet Gassorg à Accra. Directeur cabinet adjoint, M. Malik Tidiane Touré, précédemment directeur cabinet adjoint, est confirmé. Chef de cabinet, Mme Alimatou Kaba, précédemment consultant Banque mondiale à la Bourse de sous-traitance. Premier conseiller chargé de mission, M. Lansine Awa Doumbouya,
précédemment assistant de la directrice de cabinet à la primature. Deuxième conseiller chargé de mission, M. Fassou Théa, précédemment conseiller au ministère de l'Environnement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-0143-PRG-CNRD. Portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. M. Ibrahima Sori Touré, précédemment directeur de cabinet à la Cour constitutionnelle, est nommé chef de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-0144-PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Madame Kaïté Sall, précédemment directrice service santé résidentielle à New York, est nommée chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2021, signé colonel Mamadi.